Brazza, Paris Info, tout le monde est d'accord. Paris Info, tout le monde est d'accord. Monsieur Touton Dimiango, Nana Koboya. Brazza, Paris Info. Fimbu na Fimbu, donc vous êtes rien à dire. On vous remercie beaucoup d'être là. Votre présence, vraiment, ça va. Merci. Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Placide Zola est d'accord. Deux fois T. Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Nedi Adon aussi est d'accord. Aristide Mobile ici, le survient de la presse congolaise. Mais fief ya UPADES, ezali awa na la songate. Fief ya PCAP, ezali awa na la songate. Fief ya PRL, ezali awa na la songa te. Awa na la songa, ba 9 circonscriptions, ezali ba député ya PCT, bote il faut ba leka. Est-ce que to yokani? Est-ce que to yokani? Est-ce que ba kokiba zwa moko na bino kendo koma député na Tolisi? Est-ce que ba kokiba zwa moko na bino koma député na Muyondi? Alors donc la songa motezali ma belé ya kosakana. La songa ezali ma belé yo ya kosala makambo akili kili. Il faut qu'on pèse à vos réponses le 10 juillet. Le 10 juillet, il faut qu'on explique Bango que Oyo et communique mo ya ma belé. Olinga mutu, olinga ete et communique mo ma belé. Mutu mazala kitoko, azala ma belé et communique mo ma belé. Mutu mazala sando. Asalate, et communique à mon appelé. Nous tous les pas à maï, apesate, et communique à mon appelé. Nous tous les pas à l'ipita, apesate, et communique à mon appelé. Nous tous les pas à tichon, apesate, et communique à mon appelé. Nien, na le biboye. Moutoum, olinga ye, olinga ete, et communique à maman, appelle sa chapeau, appelle sa tête, et communique à maman, appelle sa mbongo, appelle sa tête, et communique à maman, ayaka nanda konayo, ayaka te, et communique à maman, ayaka salasa de la wa, asalate, et communique à maman. Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Votre site de référence www.brazza Paris Info, Fimbo na Fimbo, Gaz na Gaz. Vérité pour les sans trucage, nous avons le plaisir de recevoir l'homme du moment, la nouvelle star de la politique congolaise, le docteur Jean-Didier de Cousse. Donc avec Jean-Didier de Cousse, comme vous m'avez demandé, Aristide recherche le docteur Jean-Didier de Cousse parce que son mot doit compter, sa parole compte maintenant au Congo-Brazzaville. Il doit dire un mot en ce qui concerne les élections législative factice au Congo Brazzaville. Jean-Didier de Cousse, bonsoir. Bon, bonsoir à l'équipe. Voilà, après une petite virée à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel, voilà, on est de retour à Perpignan. Voilà, bon, on fait une petite pause ici, voilà, prendre un peu d'air. Bon, les élections au Congo, c'est un épiphénomène. Est-ce qu'il y a des élections au Congo? Les Congolais ne s'intéressent pas. Non, pas de quoi manger, non, pas. Ils ne s'intéressent pas à ça. C'est un groupe de bandits voilà, qui veulent légitimer le pouvoir. Voilà, on crée un petit mouvement où les gens ne s'intéressent pas. C'est, le Congolais lambda, il est chez lui. Hein. Il s'occupe un peu où trouver de quoi manger, soigner sa famille, penser à avoir un passeport pour ses enfants, pour qu'ils aillent en Europe étudier. De toute façon, la moitié,
pratiquement la moitié des députés seront les enfants de Sassou Nguesso, ses neveux, ses nièces, les enfants de Nshati Mabiala, les enfants, je sais pas, de Kodila. Bon, est-ce qu'il y a, c'est pas, c'est ça, ça n'intéresse même pas les Congolais, ces élections-là. Donc ces élections n'intéressent pas les Congolais, pour vous, c'est un non-événement? C'est pas un événement, un non-événement. C'est sous les réseaux sociaux, c'est l'étoile qu'on parle. Moi, j'ai des informations qui viennent du Congo. Les gens, ils sont chez eux. Hein. Quand tu vois ce petit monde-là se déplacer, c'est pour aller chercher 2000 francs, 5000 francs CFA, puisqu'ils en ont tellement gardé dans leur maison. Dans les cimetières. Et dans les cimetières. Et il n'y a qu'au Congo où on trouve des candidats à l'élection aller partager de l'argent. Est-ce qu'un des... Ici en France, quand on fait des élections, c'est un programme qu'on va vendre. Voilà, on voit les députés, je sais pas, les partisans des députés nous distribuer des tracts et tout ça là. Voilà, voilà un programme. Mais au Congo, non. C'est des billets d'argent qu'on distribue. Mais quand vous voyez le fils de M. Sassou Denis, Christelle Denis Nguesso, je ne sais pas comment, là, donner des véhicules, faire un don de véhicules à la police et à la gendarmerie, c'est ce qu'on appelle en bon français du clientélisme. Est-ce que c'est autorisé en période de campagne? Bon, déjà, Christelle, est-ce que Sassou est né d'une famille pauvre? Est-ce que tu sais que ici en France, le président Macron, il ne gagne pas grand-chose par rapport à quand il travaillait dans une boîte privée? Quand tu étais banquier. Voilà, il est venu juste pour régler les problèmes de la population française, parce qu'il a un projet de vie, un projet pour la société. Voilà. La richesse qu'il a acquérée, c'est parce qu'il a roulé sa bosse. Est-ce que Christelle a une association? Tu comprends que Christelle envoie même des Congolais étudier. Il leur donne une bourse, avec quel argent? Où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là pour pouvoir donner des bourses aux Congolais? Hein? Où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là? Mais c'est l'argent du pétrole congolais. Voilà, il vole au vu de tout le monde. Voilà, c'est un grand voleur, un kleptomane. Bon, ils n'ont même pas honte. Bon, chez eux, de toute façon, ils l'ont toujours dit, hein, le ridicule ne tue pas. Voilà. Ils sont ridicules, ils sont médiocres et ils continuent dans la médiocrité. Voilà. Le doc Jean-Didier Descousses, quand on voit au Congo-Brazzaville la campagne présidentielle se transforme pratiquement à la Gay Pride ou encore à la fête de la musique, c'est quoi ce pays? Ah, c'est ton ami, hein? Je t'ai vu là, tu étais dans sa fille. Je ne savais pas que j'avais ma fille à danser. J'ai vu le porte-parole du gouvernement congolais. On t'est déclivé quelques pas de danse, mais il est pas mal, hein, chéri. Franchement, je proposerais sa candidature chez Roga Roga, qu'il le prenne comme danseur. Ah oui, il peut devenir le danseur de Roga Roga. Au moins, sa reconversion est assurée. Écoute, je vois un général de la police qui est censé mettre de l'ordre, voilà, pour assurer la sécurité de la population, en train de danser un certain Jean-François Dengue. C'est un candidat du PCT qui, je sais pas, qui faisait un petit meeting et un général en train de se rouler par terre. Écoute, ça c'est du jamais vu. Hein? Il n'y a qu'au Congo qu'on voit des choses comme ça. Mais le chauffeur de Sassou, c'est candidat, son ancien chauffeur, Tchengel. Ben écoute, tout le monde est candidat. Les enfants de Sassou, les petits-fils de Sassou, les petites filles de Sassou qui sont venus faire des études en Europe au lieu de trouver du boulot ici comme tout un chacun. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent au Congo pour être des députés. Non seulement qu'ils vont piller l'argent du Congo, ils vont se partager l'argent à l'Assemblée, au Sénat, je sais pas, des conseillers partout. Donc le pays va repartir. Ça sera pratiquement dirigé. La moitié du pays sera dirigée par la famille Nguesso et ses appendices, ses amis. Et vous, en tant qu'un grand leader d'opinion, qu'est-ce que vous répondez par rapport à tout cela quand vous voyez pratiquement plus de la moitié de la famille de Sassou à l'Assemblée nationale? Non, le peuple ne doit plus avoir peur. Je l'ai toujours dit, le Congolais, il ne faut pas qu'il ait peur de Sassou. Sassou est en train de passer ses derniers moments au pouvoir. Et c'est parce que le peuple congolais devait s'inspirer de d'autres peuples. Regarde, juste en face de chez nous, quand Kabila fils voulait rester changer de constitution, les Ivoiriens ont dit non, non, il doit partir. C'est sans... rassembler
voilà, ils ont tout fait que pour que Kabila parte. L'année prochaine, ça sera le tour de qui c'est qui dit. Ils ne veulent pas, tu as vu, la dernière fois j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce sont les Aïrois. Quand, comment on appelle, Kagame était à Londres, ils ont bravé la police anglaise en train de taper, lancer des pierres le cortège de Kagame. Enfin, ça, c'est des braves personnes à féliciter. Pas nous, on est là, on est assis, on pense qu'en allant tous les jours prier Dieu, en ouvrant la Bible, que ça se passera du Congo. Non, nous devons nous battre, nous devons nous lever, nous devons faire un travail de fourmi, nous devons pas avoir peur d'un Nguesso, ça reste un homme, se rassembler, et puis voilà, il faut qu'il y ait un leader, quelqu'un qui doit accepter de faire ce boulot-là, mobiliser le peuple, et puis les chasser un à un, ils partiront. Chaque chose a toujours un début, une fin. Je pense qu'on est au bout du tunnel. La lumière va bientôt jaillir. Mais les Congolais, ils cherchent un leader. De toute façon, à Brazzaville, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt, que ce soit au nord, au sud, dans des quartiers nord, dans des quartiers sud. Tout le monde est prêt. Ils en ont marre maintenant. Même dans le clan de Sassou, il y en a des ministres qui en ont marre. Tu vois un peu, Christel est devenu pratiquement le premier ministre. Makosso ne dit rien. Qu'est-ce que Makosso peut dire devant Christelle? Il va même signer des décrets où quand un ministre, il est quoi? Il est ministre, je ne sais pas, de... j'ai oublié même le poste qu'il a eu là. Il va signer des décrets qui ne concernent même pas son ministère. On est dans quel pays? Hein? Voilà. Là-bas, nous marchons la tête en bas et puis les pieds en haut. T'es pas un pays, le Congo? Je sais pas... Je ne sais pas ce qui se passe au Congo. Je ne sais pas si eux-mêmes, ils arrivent à avoir l'impact. Ils se disent vraiment où nous amenons ce pays-là. Est-ce qu'ils se posent même ces questions-là? Sinon, passent leur temps à manger, boire, à fumer. J'ai vu la dernière fois Christelle en train de boire son champagne avec son cigare et tout ça, là, tandis qu'il y a des millions de Congolais qui n'ont même pas de quoi manger depuis une semaine. Hein. Il y a des enfants congolais qui passent, des enfants de 9 ans qui vont vendre de l'eau, des enfants de 9 ans qui sont plus scolarisés. On a tous voyagé, moi j'étais à Yaoundé, mais là-bas les enfants vont à l'école, voilà. Et ils envoient leurs enfants en France, en Europe pour faire des études, et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de rester en Europe pour trouver des emplois, non, ils repartent au Congo pour être des députés, pour être des conseillers. Pour être des conseillers municipaux, des conseillers à la présidence, des conseillers des ministres. Ils ont de l'argent, mais qu'ils créent des entreprises, merde, hein, pour donner du travail aux gens. Hein, au lieu d'aller cacher ses armes. C'est un ami, voilà, qui est au Canada, qui s'est dit, écoute, je vais aller créer de la richesse et puis des emplois au Congo. Donnez-moi juste l'autorisation. Voilà, de monter mon usine. Voilà, c'est des idées comme ça qu'on devait encourager. Les Congolais, les Ouest-Africains, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui viennent travailler au Congo, qui amassent l'argent, qui mettent dans des ngiris, qui s'entendent avec les douaniers du Congo, ils ramènent ça... dans des pays, au Sénégal, je sais pas, au Mali, au Bénin, avec cet argent-là, ils vont investir chez eux. Voilà, ils disent Congo Zoba. Parce que voilà, le pouvoir actuel, qu'est-ce qu'il veut? C'est priver le peuple congolais de la richesse. Il veut l'appauvrir, le peuple congolais. Bon, heureusement qu'ils appauvrissent juste le peuple congolais sur le plan financier, puis sur le plan intellectuel, nous, nos enfants, ils sortent, ils viennent en Europe ici, ils travaillent, ils étudient. Les leurs, ils viennent, puisqu'ils sont médiocres, ils rentrent au Congo. Ils rentrent au Congo pour occuper les postes. C'est le fils. J'en connais plusieurs qui sont arrivés ici, qui ont échoué. Comme qui? Oh. Si c'est vérité, poulet. Non, c'est un petit à moi, j'ai fallu. Mais non, attends, dernièrement vous avez parlé du fils de Ngafomo là, qui vous devez. Maintenant, pourquoi si vous citez son nom, c'est un problème?
Mais le problème, c'est la vérité, c'est la triste réalité. Non, ça... C'est aussi la démocratie, il faut commencer par là. Non, alors, ça... si vous êtes là protégé des voleurs, des fraudeurs, non, des tricheurs de diplômes, je... donc vous êtes complice alors? Non, je ne suis pas complice. Ah, mais si. Non, Aristide, je ne suis pas complice. Aristide, si je voulais être dans ce milieu-là, je serais dans ce milieu-là. Je connais du monde dans le milieu du pouvoir. C'est un milieu qui ne m'intéresse pas. Tu sais, aller se rabaisser. Tu sais, au Congo même, des amis hein, qui ont été nommés, nous étions ici, nous mangeons ensemble, nous rigolons ensemble. Une fois qu'il a eu un petit poste de directeur, je ne sais pas de quoi là, quand tu l'appelles maintenant, là, non, je suis en réunion, on se voit à telle heure. Hop. Tu me fais ça une fois, pas deux fois. Je ne t'appellerai plus jamais. Voilà, je continue ma route. Voilà. Mais ça, c'est des arrivistes. Oui, c'est des gens qui, en France, voilà. Ils n'ont pas pu. Parfois, ils n'ont pas. C'est pas qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas su. Non, parce qu'en France, ici, tu peux avoir tes milliards, tu peux avoir tes millions. Les gens, ils s'en foutent de toi. Chacun voit midi devant sa porte. Il n'a rien à foutre du ministre. Déjà. Moi, quand je demande à mes patients, vous connaissez le président de la République, ils me disent quoi? Non? Il y en a qui me disent c'est Chirac, Mitterrand. Ils ne connaissent même pas que c'est Macron qui est... Au Congo, tout le monde connaît. Nguesso impose déjà sa photo, même dans leur boutique. Ouais, il est sérieux déjà ce monsieur. Mais moi, ils m'ont fermé mon dispensaire parce que je ne voulais pas que la photo de Nguesso soit dans mon... Mais est-ce son dispensaire? Mais il veut imposer la photo. Pourquoi? Mais nous sommes en plein dictature, c'est la dictature ça. La dictature. Si tu n'as pas la photo de Nguesso derrière ton... ils vont te virer. Je connais, je dirais, moi, Télé Congo, je ne suis pas. Hein? Je n'ai pas le temps de perdre un euro pour suivre. De toute façon, Télé Congo, il y a quoi dans Télé Congo? C'est montrer les images de Sassou avec ses corticoïdes sur la face, ses cheveux noirs, sa vilaine une gueule que je ne veux pas voir. Mais souvent, il y a des gens qui viennent ici en vacances, en France, ils prennent 4 semaines, mais il est obligé de suivre Télé Congo. Il se dit qu'on peut le virer du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont été nommés aujourd'hui, 2 jours après, voilà, ils sont virés de leur poste parce qu'il est venu passer quelques jours en France et son chef avait besoin d'argent. Et puisque lui ne pouvait pas remettre de l'argent, on le vire. Voilà. C'est pas un pays, c'est vraiment c'est des malades, des idiots, des animaux qui nous dirigent. C'est pas, sans pas de personne. C'est pas de personne. Élections législatives, on a vu des circonscriptions. Il y a une circonscription qui attire mon attention particulière, la circonscription que j'appelle la Belle et la Bête, la fille de Tassima Biala et Léonidas Moutom, qu'on veut de retirer son investiture. Il y a aussi la circonscription de Muyondi entre Claudine Munari et Madame Mikolo. Voilà ces deux circonscriptions-là. Moi, je suis ça de très près. Parce que ce duel Claudine Mikolo, c'est quand même fascinant, docteur. Oui, mais ce n'est pas au président Sassou Nguesso ou au ministre au PCT de décider. Voilà. Si Mouton a dérapé en disant que dans la Sangha, je pense que l'UPADES, un candidat de l'UPADES ne va pas se présenter. S'il doit aller dans son fief du Nibolek. Bon, c'est un dérapage, mais ce n'est pas au PCT de décider, c'est au peuple, c'est aux populations de la Sangha de décider. De toute façon, la fille de l'UPADES qui se présente là est également d'origine de la Sangha. Sa mère serait apparemment une femme de la Sangha, et puis Tchatchima Biala, voilà. Et puis le PCT et l'UPADES, c'est devenu un seul parti. L'UPADES est devenu un appendice du PCT. Puisqu'ils ont dans plusieurs circonscriptions des candidats communs. En CAI, je pense qu'ils ont des candidats communs. De toute façon, le PADES ne fait plus partie de l'opposition. Voilà. Ils ont un ministre au gouvernement. Je ne sais même pas si ils ont un ministre au gouvernement. Si, M. Saï. Ah ben, écoute, le PADES, c'est devenu. Je pense que là où Pascal est à Perpignan, là-bas, il doit se retourner dans sa tombe. Mais ça, il ne peut pas former son propre parti. Il ne peut pas former son parent de l'Oudima. Oui, tu sais. Ton vieux de l'Oudima. Non, mais tu sais, là, il faut toujours différencier la famille et la politique. On peut avoir des divergences sur le plan politique et se retrouver en famille.
C'est ici, quand on suit les débats au niveau de l'Assemblée, parfois c'est des amis hein, qui se retrouvent, mais ils n'ont pas les mêmes opinions sur le plan politique, mais ils se retrouvent, ils prennent leur bière, voilà. Ils sont même contents de leur, du débat. Et ils se disent, non, moi j'étais meilleur et tout ça. Ils se retrouvent dans un restaurant. Bon, la politique au Congo, c'est devenu comme si tu n'es pas du côté du PCT, il faut t'éliminer physiquement, il faut te broyer. Toi aussi ils ont des plans pour t'éliminer, toi et moi. Bon, ils ne vont pas nous éliminer à Aristide. Pourquoi ils vont nous éliminer? Mais non, mais parce que Nguesso, il fait ça aux enfants des autres parce qu'on n'a jamais éliminé un de ses enfants. C'est pour ça que lui, il tue les enfants des autres. Parce que le jour qu'on va tuer son enfant, Nguesso va arrêter de faire des conneries. Mais Nguesso va bientôt partir. Tu sais, Nguesso, de toute façon... Parce que quand Nguesso paye les Turcs, les Georgiens pour venir espionner les gens, pour tuer les gens, c'est parce qu'on n'a jamais fait ça chez lui. Non, mais tu sais, c'est Nguesso, il pense même plus à ça. C'est qui fait ça? C'est son entourage, c'est gens comme les Ndengue. Est-ce que Nguesso doit avoir plus de 80 ans? Oui. C'est pas lui, c'est le pauvre, il est pour rien. Non, Nguesso, lui, il a toujours assumé. Tu sais, ce que j'aime chez ce monsieur-là, il assume, il dit que j'assume. Même pendant qu'on fait ça, il avait assumé. Pourquoi on assume, on va en prison? On n'assume pas et puis on rase les murs. Non, il n'est pas parti en prison parce qu'il a eu Monseigneur Kombo qui nous a amené sa religion, le lavage de mains, l'Issouba Pascal qui est arrivé, qui a passé son temps. Mais on pouvait lui coller un procès. Hein? C'est juste la famille de Massamba Diba qui n'a pas de tombe. Ben, ils auraient dû porter plainte voilà, contre les assassins de leur père. Babel Issouba, il a passé son temps à dialoguer, à discuter avec Nguesso. Aujourd'hui, les gens disent, voilà, l'Issouba, n'importe qui était au pouvoir, ça se devait revenir. Mais non, non, ça c'est faux ça. Hein? L'Issouba devait, le Congo pouvait porter plainte, malgré la Conférence nationale, on avait des... on pouvait porter plainte comme contre Nguesso pour des assassinats comme mon ami comment il s'appelle même Richard Sambadia Koumbi, mais il pouvait porter plainte quand il soit été au pouvoir pour l'assassin de son père hein, par la cour martiale les Ndoudinganga les Misélé, il y a pas mal de têtes la famille de comment on appelle ça de comment ça s'appelle le capitaine Mwalankaya. Parce qu'il refusait d'aller, parce que ça avait demandé à tous les militaires d'aller dans leur caserne. Mais Kim Mwalankaya refusait, il savait qu'en allant dans une caserne, on devait le tuer. Voilà. Pourquoi la famille de Kim Mwalankaya n'a pas porté plainte contre Sassou Nguesso? Bah, ils sont restés là, les cinq bébés. Aujourd'hui, Mounari, je le vois aller se balader à Mouyonzi et mes parents de Mouyonzi recevoir une femme comme ça là, qui les a trahis, qui donnait des informations à Sassou quand elle était, la maîtresse de l'Issouba et puis elle était également la directrice. Du cabinet de l'Issouba. C'est elle qui donnait à l'heure, à la minute, des informations à Nguesso. Puis ça a été une copine à Noumazalaï. Il y a eu pas mal de gens. Et l'Issouba après, Sassou Nguesso également, actuellement. Et voilà, donc des femmes comme ça qui n'ont pas de... Voilà, qui prennent leur sexe pour ils vendent leur sexe pour avoir des postes. Aujourd'hui, quand ils se déplacent avec l'argent du PCT, il va faire du bruit à Mouyonzi là-bas, voilà, nous sommes ici à Mouyonzi. C'est une femme qui a suffisamment de moyens, parce qu'elle était mariée à un monsieur italien qui avait un peu d'argent, pour ne pas dire beaucoup d'argent, qui était même l'artisan du plan quinquennal. Donc c'est pas une malheureuse non plus. Oui, mais tu sais qu'elle est venue aux obsèques de l'Issouba à Perpignan. Elle a bien dit que c'est le gouverneur congolais qui l'avait acheté le billet. Elle fut ministre, elle a droit à un passeport diplomatique, plus un billet. Non, elle fut, elle est plus ministre. On a un passeport diplomatique quand on est ministre. Même les ex-ministres, les anciens ministres. Non.
aujourd'hui, comment il s'appelle, le ministre de l'éducation français qu'on a battu aux élections, voilà, il repart à l'université enseigner. Voilà. Le Premier ministre Jean Castex, l'ex-Premier ministre, il a refusé de bénéficier des avantages d'un Premier ministre. Il prend son métro, je l'ai croisé dans un métro à Paris. Voilà, il vit normalement comme tout un chacun. Voilà. Il a même refusé les gardes-corps. Voilà, il devient citoyen lambda, il va vaguer à ses occupations. Et voilà, il tourne la page. Regardez des gens comme les Henri Ndjombo. Henri Ndjombo qui a plus de 80 ans. Oba Oponou qui a plus de 80 ans. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire encore à la politique? Il devait se reposer tranquillement dans leur village ou s'occuper de leurs petits-enfants. Conseiller les jeunes. Conseiller les jeunes, voilà. Ils reviennent en politique avec des gens qui sont sclérosés, qui souffrent de démence mentale. Hein. Ils ont l'Alzheimer, ils vont même pas siéger. Bon, ils sont là pour toucher un peu leurs émolutions, 5 millions de francs CFA par mois. En plus, quand tu as des sessions, ils ont un per diem, ils sont chez eux, on en connaît là. Moi j'ai connu un sénateur, c'est là que je vais citer son nom. Mungala, sénateur Mungala. Qui a voulu rester pratiquement 3 ans en France. Sénateur Mungala. Oui, oui. Il est devenu quoi là, ce pauvre type là aussi? Non, mais il était là. C'est le système qui est comme ça. Mungala est resté 3 ans en France. Je ne sais pas s'il est rentré. Il s'est fait un grand. Hein. On avait des bonnes relations. Mais, je sais. Mais sauf que. Un petit monsieur. C'est quelqu'un qui pensait que... Il allait embobiner tout le monde. Mais non, il allait ensorceler tout le monde. Non, mais même pas embobiner. Il confond les choses. Mmh. Il pense que... Ici, on ne connaît même pas les noms. Moi je ne connais même pas le nom du sénateur de la ville où j'habite. Moi, je ne connais même pas le nom de mon député. Je connais même pas le nom. Je connais le nom du maire parce que c'est Sébastien de Cornu. C'est un pote. Mais non, le reste, je ne connais pas. Moi-même, le maire, le sénateur, je ne les connais pas. Moi, je vais à la mairie tranquillement, je vais faire mes formalités administratives. Ça se passe comme une lettre à la poste. Hein. On n'a pas besoin de connaître le mail. Tu viens, tu prends ton ticket, tu attends ton tour. Voilà, on t'appelle M. Decouze, c'est ton tour. Vous avez ça passe. On n'a pas à négocier. C'est l'administration, voilà. Voilà, quand je vais renouveler mon titre de séjour, voilà, on me dit, voilà, il faut aller prendre des photos, pas des photomates, il faut aller chez un photographe. Tu arrives, on te demande tes impôts, on te demande certains papiers, ton ancien passeport. Voilà, tu fais tes formations. Au Congo, pour avoir un passeport, il y a des gens qui restent, ils peuvent passer même 6 mois pour avoir un passeport. Donc tous les matins, ils vont. Voilà. Il y a des gens, ils enroulent en une journée, le passeport sort. Et pour d'autres, voilà, il n'y a pas de carton. Moi, je connais... Il y a une dame qui vient faire le ménage chez moi. Je ne vais pas citer son nom. Elle a fait ses formalités pour avoir son passeport depuis 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore son passeport. Entre-temps, il y a eu un moment où il y avait des cartons. Voilà. Ben, elle m'a demandé d'intervenir. Là, je suis en train d'intervenir pour que son passeport puisse sortir. Ben, 2019, 2020... Trois ans. Il lui restera juste 2 ans pour profiter de ce passeport. Étant donné que les gens du système ont ramené... Parce qu'avant, on prorogeait les passeports. Ça avait une validité de 5 ans. Tu prorogeais plus 5 ans, ça te faisait 10 ans. Même en France, un pays développé, le passeport a une durée de 10 ans. Bon, au Sénégal, partout, les passeports, c'est 10 ans. Oui, mais et le Congo, ils le font parce que c'est une façon de soutirer de l'argent. Soutirer de l'argent, voilà. De racketter la population. Et non seulement ça. Tu sais qu'un Sénégalais, qui est de nationalité française, n'a pas besoin d'un visa pour rentrer chez lui. Puisqu'il apporte... les Sénégalais viennent travailler, ils viennent en France travailler, pour développer leur pays. Nous aussi, nous le faisons. Mais pourquoi quand tu vas au Congo, déjà, ça se pouvait dire, voilà, écoute, déjà par le nom, par ton nom, voilà, de Kousmountou, il arrive, il n'a pas besoin de visa, tu prends ton... Il devait même inciter les Congolais de rentrer, aller développer leur pays.
Mais ça, il ne veut pas ça, il veut tout juste que... Parce qu'il sait que si les Congolais ont maintenant des moyens, ils vont commencer à regarder la politique. Parce que c'est ça, hein. Voilà, bah, il faut leur affamer pour qu'ils pensent à la politique. Donc, le Congolais passe et en... Et même ici, quand tu essaies de t'en sortir, ils font de leur mieux pour te casser les couilles. Oui, non. Que la haine. Oui, mais c'est parce que... Aristide, faites fier de toi. Tu vois, ce que nous faisons ici en force doit être fier de nous. Nous arrivons dans un pays où on ne nous connaît pas. Il n'y a pas de cas. Et voilà, aujourd'hui. Et on s'est imposé. Voilà, si tu as un boulot, c'est parce que le blanc, il dit voilà. Bon. Ici, c'est la matière grise. Hein. Voilà, il n'y a pas de yaganoki. Ici, en France, de toute façon, en France, c'est pas un problème. Et de toute façon, il y a même des gens, ça dépend de ce que tu fais. Si tu vas faire, je sais pas, tu as un doctorat en géographie ou je sais pas, en histoire, bah, tu finiras enseignant et tout ça là. Donc les gens, ils réfléchissent, qu'est-ce que je veux faire. Et puis les gens ici, maintenant, les Congolais, ils comprennent, les Noirs surtout, ils comprennent que voilà, il faut qu'ils créent leurs entreprises comme toi. Voilà, tu attends, tu es dans la fibre, tu as ta société, tu te débrouilles, tu paies tes impôts, et puis voilà, tu avances, voilà, tu mènes ta vie, tu achètes, je t'ai vu là, avec, tu aimes des belles voitures, et en plus, tu as les mêmes marques que Mungala. Non, attends, je dois t'expliquer l'histoire de Mungala, hein, pas le sénateur, le ministre. Comme moi, j'allais chez Mungala, dans les années 98, j'avais une Peugeot 406. Lui, il était piéton. Mungala était piéton. Le ministre, là, mon petit frère, là, il était piéton. Quand j'allais chez lui, il était piéton. Il vivait dans un HLM à Rouen, là-bas. Là. C'était un piéton, il était témoin de Jéhovah. D'accord ? Quand moi, j'avais une voiture, Mungala était piéton. Il était obligé de faire ce qu'il a fait. Il est allé au Congo. C'est au Congo qu'il a acheté sa première voiture. C'est au Congo qu'il a eu une belle paire de chaussures. Donc quand il était avec Milongo, c'est ça ? Hein ? Avec Milongo ? Non. Quand il a trahi Milongo, il est allé au Congo. D'accord. Rejoindre Sassou. Mmh. Celui qu'il a embauché, il s'appelle Michel Ngakala. Il avait embauché à Nanterre. Donc je connais l'histoire. L'ancien de la milice. Ah, mais Ngakala, je le connais également. Voilà. Moi, je l'ai connu. Donc, comme moi, j'avais une voiture... Thierry Mungala, en France, il était piéton. Il n'a même pas de permis jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais... Donc, c'est un pauvre type. Quand j'étais en sixième année, j'ai fréquenté Ngakala. Oui. Il sortait avec Marie-Jeanne Kouloumbou. Hein, je crois qu'un journaliste de la télé congolaise. Maintenant, je ne sais pas quel poste qu'elle occupe actuellement. Et j'avais également une relation avec une de ses sœurs, je pense, c'est une amie à moi. Et Ngakala venait chez moi, dans la rue Molle, au 34 Molle. Il venait, je lui prenais l'attention et tout ça. Et il m'a amené un jour, et voilà, il construisait une maison à sa compagne, sa maîtresse, à Mokondo. Et on est allé visiter la maison, et puis après il s'est dit, écoute, non, ça ne me plaît plus, je dois casser, je dois faire ceci, cela. Donc tu vois, quand je te dis que le milieu politique congolais, je connais, voilà, donc c'est, sauf que moi ça ne m'intéresse pas. Je pense que la politique actuelle, du gouvernement actuel et de leur président, ça ne m'intéresse pas. En fait, la politique, c'est pour aider, pour apporter un plus, pour laisser des traces en la vie. Ça se dit qu'il va mourir, on va l'oublier. La seule chose que les Congolais vont retenir, c'est sa longévité au pouvoir, les assassinats de plusieurs personnes, mais on passera à autre chose. Toutes ces maisons là où c'est baptisé, Sassoung, ça sera rebaptisé. Voilà. On va l'oublier, hein. Il va pas marquer ce pays là. Il a peut-être marqué dans le mauvais sens. Oui, mais le mauvais sens, on ne retient rien. Regarde Mobutu. Mobutu, il était même... Il était, lui encore, je peux dire que même si c'était un dictateur, il tuait, mais Mobutu, il n'y avait pas le tribalisme. Hein. Ouais, il n'y avait pas le tribalisme. Et puis, qu'est-ce qu'il disait aux Aïrois? Il disait, il faut que vous vous débrouillez. Allez-y dans le monde, sortez. Il faut plan B, plan C, sortez les Aïrois. Voilà. Hein.
Il avait une vision. Il avait une vision. Et puis voilà, quand il arrivait quelque part, il disait, voilà, ben, c'est un tel que j'ai nommé. Il nommait les gens de la région, de Katanga, voilà, comme Lissouba avait fait. Souvent, quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé à nommer les généraux. Ils les envoyaient dans dans leur région. Mais aujourd'hui, au Congo, les généraux du Sud ou les militaires du Sud qui travaillent avec Sassou Nguesso, si tu n'es pas franc-maçon, si tu ne vas pas lécher sans cul, voilà, tu n'as rien. Et qu'est-ce qu'il fera ? Le jour où il aura besoin de toi pour aller mater dans ta région, c'est toi qui vas envoyer. Hein. Sassou envoie toujours les gens originaires de leur région pour aller mater leurs frères. Parce qu'ils protègent les siens pour ne pas faire le sale boulot. Bah oui, voilà. Les gens comme un monsieur comme Mwanda, qui en effet dans un pays, d'abord lui-même devait démissionner d'abord de Mwanda, avec ce qui s'est passé en train de se masturber avec la femme de quelqu'un qui est en France. Il y a aussi ton pote aussi qui s'est masturbé. Qui? Mais Thierry. Oui, Thierry, voilà, bon, Thierry Mongala, voilà. Bon, lui, par contre, on n'en veut pas, il se rattrape, tu sais, à l'époque, en tant qu'albinos, tu ne peux pas avoir une copine. Donc là, en tant que ministre, maintenant, il se rattrape. Non, les albinos ont des copines. même les fous ont des copines. Non. Non, mais lui, il n'en avait pas. Parce que regarde, la première copine qu'il a fait, il a fait l'amour avec, est devenue sa femme. Oui, mais non, c'est pas un problème de... Non. La première fille qu'il a connue est devenue sa femme, on va comprendre. Non, écoute, non, c'est mon gars-là, c'est pas ça, la couleur de sa peau, il est pour rien, non, il pouvait avoir une femme. C'est que on peut dénoncer Thierry Mongala, c'est parce qu'il fait le sale boulot, voilà, donc... Mais il accepte de faire le sale boulot. Ben oui, mais... Parce que en dehors de ça, il n'a pas autre chose à faire. Ah oui, mais bah déjà, il n'a pas eu des diplômes ici. Non, il n'a pas eu de diplôme. Il a un BTS en droit, un DUG. Voilà son diplôme. Voilà, bah, mais, oui. Mais comme il imite un peu le blanc, il est pas Nguesso. Nguesso pense que c'est un blanc. mais plus lui-même, Nguesso lui-même, il pense qu'il est blanc, puisqu'il met des corticoïdes. Ah, ici, toi, moi, on a mis des corticoïdes. Non. Pourquoi il faut avoir le temps, Aristide. Pour tu te réveilles, tu vas chercher Ambi ou je sais pas quoi, ou Diprozone. Tu dois mettre le Yombo pour t'asseoir. Tu vois un peu, moi, je veux passer mon temps à aller. Déjà, quand je vais chez mon coiffeur, quand je suis le troisième à attendre, déjà, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai envie qu'il coupe mes cheveux, me recevoir rapidement et puis partir, j'ai autre chose à faire. Mais je lui demande de décolorer mes cheveux. Mais tu vois un peu le temps que je peux. Le temps, c'est de time is money. Mais il décolore là, il peut pas décolorer là et là. Non, là, il se rase, mais on va voir un peu ce qu'il cache. Non, à la base, je pense que peut-être que s'il met des yombo, on va demander à Antoinette. Maman, on tourne, n'est-ce pas, le bateau. Papa, à chaque yombo, kuna. Ce qui a tué yombo, et ce qui a chaque yombo, kuna. Hein? On va demander à maman Antoine, elle va nous dire. La pauvre maman Antoine ne regarde même pas la nudité de sa femme, de son mari. Pourquoi? Oh non, mais ils sont plus ensemble. Chacun va se débrouiller. Voilà. Non, c'est des libertins, ils sont devenus des libertins. Eux, c'est le pouvoir qui les intéresse, c'est l'argent. Tu sais déjà, quand tu épouses une femme, la manière que Sassou avait arraché Antoinette à Kader. Oui. D'abord, à Bongo Noira, tu sais qu'il avait cassé des membres inférieurs à Bongo. Donc le premier mari d'Antoinette, c'est Bongo Noira. Ils ont eu deux enfants avec Bongo Noira. Puis ça se sortait avec Antoinette. Il a tapé Bongo. Bongo Noira vient de se faire soigner en France. Et puis il est resté en France. Il n'est plus jamais rentré. Il est rentré pendant la conférence nationale. Après, c'était le pauvre Kader qui avait récupéré la femme. Et le jour du mariage, enlèvement, avec la complicité de Madame Mongani, voilà, séquestré, le pauvre Kader, il attendait à la mairie, la femme n'est jamais arrivée.
Après, on a donné un petit poste de directeur à l'hôpital assisté de Pointe-Noire. Après avoir tué son frère, il lui arrache sa femme et l'envoie directeur de l'hôpital assisté à Pointe-Noire. C'est un peu... C'est vraiment un monstre. C'est un monstre. Mais sauf que je pense qu'il a quand même un cœur, parce que quand Teddy était quand même décédé, je l'ai vu pleurer comme tout le monde. Donc il reste un être humain. Voilà, c'est un être humain. C'est juste une carapace qu'il porte pour faire croire aux gens qu'il est dur alors qu'il n'est pas. Oui, mais il est dur, c'est parce qu'il a, il a sa milice. Il a sa milice. C'est sa milice. Sans sa milice, ça se... il vaut quoi? Il vaut rien. Il est comme toi et moi. Hein. Il est comme toi et moi. Déjà, on en avait parlé la fois dernière, quand on disait que c'est un monsieur qui a toujours son gilet pare-barre, alors que c'est le président le plus surveillé, le mieux surveillé au monde, parce qu'il est capable de bloquer Brazzaville, juste pour quitter Ampila pour aller, je sais pas, au palais de congrès. Pour faire un kilomètre. Tout Brazzaville est bloqué parce que au temps de Pascal Issouba, c'est des choses qu'on ne connaissait pas, même au temps de Mal. Tu sais, Ngouabi, il pouvait même. Il sortait la nuit, hein. Il prenait, il se déguisait, il prenait la voiture de quelqu'un, il allait voir. Ça ne se peut pas faire ça. Il a tellement peur de mourir. Tu sais, quand tu as tué, je te dis, mais si moi également, on va me tuer. Donc il est obligé, il n'a même pas de vie lui. Il ne voit que les bouillards, hein, ses ministres. Et même quand il les voit, tu sais que même les ministres, quand ce sont les invités chez eux, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Tout le monde a peur. Chacun amène. Il y en a qui amènent leurs... Il y a beaucoup de ministres qui sont au gouvernement, ils n'adressent pas la parole à Sassou. Ils ne parlent pas à Sassou. Pourquoi? Mais parce qu'il y a certains qui peuvent lui ramener des messages, d'autres non. Parce que souviens-toi, le défunt parfait que là, il avait dit même sur RFI, ça faisait 6 mois qu'il ne voyait pas Nguesso, il demandait aux autres gens s'ils ne voyaient pas. C'est comme mon petit cadet là, mon petit cadet Mungala, une fois tellement qu'il en avait marre, il a demandé au ministre Bouya de demander à Sassou de lui changer de poste. Et Sassou lui a dit, ou c'est ça, ou c'est rien. Non mais il tient quand même, comment on appelle ça Non, quand tu sens au conseil, oui. Mais en privé, non. Sassou ne le reçoit pas. Oui mais, Sassou n'a, tu sais... Pour avoir un poste de ministre chez Sassou, il faut lécher. C'est pas par rapport à ton intelligence. Voilà. Il faut lécher. Si tu ne lèches pas, bon, voilà. Donc ils ne te considèrent même pas. Voilà. Je ne sais pas considérer. Les ministres qui sont considérés, ils ne sont pas nombreux. Donc c'est les Bouya, les Oba, qu'on appelle. Au moins 5 ou 7. Coquilles, voilà. C'est ceux-là qui sont considérés. Au reste, voilà, ils ne sont pas considérés. Il y en a même qui se plaignent. Hein. En plus, on a des parents qui sont au gouvernement. Voilà. Ils sont au gouvernement, ils n'ont rien. Ils sont locataires. C'est des locataires. Des ministres locataires sont eux quand même. Comment on appelle qui ne leur adresse même pas la parole. Ouais. Voilà. Donc, ils signent même des papiers à leur place. Voilà. Quel est ce pays-là où c'est un bâtard qui vient maintenant signer des papiers? Quelqu'un. Voilà. Mais ils paieront tout ça, hein. Ça se paye, hein. Parce que le papa, au moins, il aura en maison de retraite, des crèches, parce que puisqu'il construit des grandes maisons, voilà, on a nos papis, nos mamies, voilà, on peut les faire. Ils sont où dormir, et puis voilà, on va créer de l'emploi. Hein. Et si en France, ceux qui s'occupent des personnes âgées, voilà, c'est un boulot. Au Congo, nous gardons nos yeux chez nous. Hein. Mais voilà, ils sont abandonnés, voilà, mais il faudra qu'ils créent du travail, former des gens pour s'occuper de ces personnes âgées, leur apporter à manger, leur prendre l'attention, enlever des couches, donner de l'amour. Hein. C'est sans nos parents, nous devons leur donner de l'affection, et jusque-là, donner un jour de vie, ils en ont besoin. Maintenant, là, si tu n'as pas d'argent, beaucoup de gens sont en train de bazarder leur parcelle parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Voilà, aujourd'hui, si tu veux acheter maintenant des parcelles au Congo, c'est maintenant là, hein, Aristide. Hein, c'est maintenant là. Nous sommes interdits d'aller là-bas. Oui, mais on peut acheter une parcelle. Le Congo, ça se finira pas à partir.
Nous rentrons un jour, nous rentrons, on sera accueillis comme des braves hommes qui auront peut-être qui auront défié Sassou. Parce que Sassou aujourd'hui, on est en tête de le mettre nu. Hein? Voilà. Voilà. Tout ce qu'il a fait, toutes les conneries que Sassou a commises, on le dit. Hein? On le dit, il a fait ceci, voilà, il a violé un tel, il couche avec un tel, voilà, voilà, c'est, il a tué un tel, voilà, on n'a plus peur de ça, il faut le dire. Moi, le Congo, ça ne me dit absolument rien. C'est pas Las Vegas. C'est pas Las Vegas, il n'y a même pas un loisir là-bas. J'étais à Saint-Malo, on a passé du beau temps. Manger de homard. Voilà, on a mangé de homard, on était au casino. Voilà, aujourd'hui on était à Saint-Malo. Non, à Saint-Michel. À au Mont-Saint-Michel. Voilà, peut-être le week-end prochain on va faire la Côte d'Azur. Hein. On va faire la Côte d'Azur. Ou Cannes, Nice, tout ça là, oui. Nice, Antibes. Villeneuve-Loubet. Loubet, voilà, pas loin de là, il y a quoi, comment on appelle la ville ? Menton, tu vois un peu, on n'est pas là. Menton. Ouais, voilà, donc on se fait plaisir, voilà. Hein. Et puis voilà. Hein. DJ Dekous, médecin psychiatre, expert en psychiatrie, Nagatsami Kili, Bana Congo, Oyo Banganga Maele, Ndengana Lobanga, Nabino Yate Bangaba, Zoba Zoba, Oyo Toyebi, Bakenda l'école, Napotote, Mosala Mongoyako, Tindaraba, Basala Rabatuba, Zoba, Yiba Rabatuba, voiture, t'en as besoin autant à Bakoma, Nabino Yate, mais tout se paye ici-bas, un à un va payer sa facture. Docteur Dekous, le mot de la fin, s'il vous plaît. On reprend notre bolide et puis on continue la route. Ah oui, il faut aller dormir. Demain, c'est top le boulot. Hein, parce que, le boulot. Moi, je dois repartir à la fac. Voilà, toi, tu repars à la fac. Moi, demain matin à 9h, j'ai une réunion à tenir. Donc, voilà, le mot de la fin, c'est que peuple congolais, les dés sont déjà jetés. Nous connaissons les prochains députés. Restez à la maison. Préparons-nous pour le faire partir. Hein, organisons-nous, réfléchissons comment faire pour faire partir Sassou Nguesso. Voilà, il faut avoir plusieurs plans. Voilà, il y a plusieurs plans. Voilà, donc nous devons y réfléchir. Sur le plan mystique, déjà, nous savons que Sassou fétiche beaucoup. Bon, là, de ce côté-là, on l'a déjà éliminé sur le plan mystique. Maintenant, il faut s'occuper peut-être de sa chair, le faire partir avec tout son monde. Et puis, voilà, que ce pays-là retrouve sa noblesse. Quand on disait Congo, mon beau pays, on ne peut plus se le permettre. C'est que, voilà, Brazzaville la verte, à une époque, c'est ce qu'on disait. Hein, Pointe Noire, Pantan la belle. C'est devenu Brazza la poubelle. C'est un emploi encore, ça va, mais pas dire Pointe Noire. Brazza encore, il y a quelques. Ça se fait tenter de mettre quelques dalettes là, mais Pointe Noire, c'est. La catastrophe. La catastrophe. C'est là où revient même la richesse du Congo. J'arrive à Pointe-Noire, je dis, mais écoute, je me rappelle, je suis parti au Congo en 2015 avec ma nièce, je l'ai amenée à Ludima en Kaï, mais elle a dit, oh, tonton Didier, mais je suis mieux ici à Ludima en Kaï, ici ça sent pas les odeurs nosaïbondes, ici vraiment on respire de l'air frais, voilà, hein. Mais il faut m'amener ici, pas à Pointe-Noire. Hein. La dernière question, il y a... Le député Mabio Mavungo, qu'on a inversé de la liste par Coline Makosso, il paraîtrait que les ordres viennent de Nguesso et sa femme, mère en tout. Qu'est-ce que vous répondez avant de clôturer l'émission? Est-ce que Nguesso a le droit d'inverser notre citoyen, de ne pas se positionner? Non, je pense que c'est Nguesso qui l'a inversé, ça doit être Tister, le fils de Tister. Ils étaient tous dans le parti de Tister, mais je le connais, le député. Mabio. Mabio, c'est lui. Il a eu un enfant avec ma soeur. Je connais du monde. Ouais, je connais du monde. Ouais, donc c'est mon beau-frère. Hein. Donc tu compatis avec lui? Ben moi je pense que. Parce qu'on l'a viré. Je pense que là, c'est pas, c'est au peuple, c'est aux électeurs. De toute façon, au Congo, Aristide, il faut dire que 80% des Congolais n'ont même pas de carte électeur. Hein? 80% des Congolais n'ont pas de carte électeur. Moi, dans mon milieu, quand je demande que tu as une carte d'électeur, ils n'ont pas. On ne connaît pas le fichier. Hein. On ne connaît pas combien nous sommes, combien d'électeurs. Voilà. Ils vont dans le vide. Voilà. Nguesso, à la fin, il prend. Parce que dans un pays démocratique, une fois les votes déjà clos, déjà nous donnons déjà des tendances.
Et le soir, on compte, voix par voix, voix par voix. Chaque député est représenté par quelqu'un, chacun met sa signature, on sait qu'il y a eu tant de votants, tant de non-votants, un tel a eu tant de... Voilà, et ben on proclame, voilà. À 20h, on a les tendances, à minuit, le ministre, qu'on appelle ça... Même eux-mêmes, les candidats qui ont perdu, ils viennent déjà dire, voilà, j'ai perdu. Au Congo, on ne sait pas, il faut attendre peut-être une semaine. Voilà, ils vont prendre, qu'on appelle ça, les urnes, ils vont les jeter dans la poubelle. Bon, voilà, c'est un tel. Bon, dans certains villages, ça va être quand même compliqué. Hein. À la base, les gens, ils vont demander à ce que, on compte. Bon, mais Nguesso, après, ils s'en foutent. Tu connais que Jean Mathias a toujours gagné chez lui. Après, c'est Mboulou qui vient dire, voilà, il n'a pas gagné. Et ton pote Mongala, il va gagner aussi? Oh, Mongala va gagner. Non, c'est le... La population de Sibiti ne va pas le voter, mais il sera nommé par Sassou. Voilà. De toute façon, nous connaissons déjà la couleur de l'Assemblée nationale du Congo. Donc, il y aura le PCD, ses appendices, l'UPADES, le MCDI... Bon, quelques individus comme ça qui qu'on va prendre à gauche, à droite, comme les Nzamba, bienvenue. Laisse-le, celle-là. C'est l'oncle à mon ami. C'est l'oncle à mon vieux. Laisse-le. Les Nzamba, bienvenue. Ils seront des députés. Je ne sais pas, il est député de là. Là-bas, on le porte à qui faut. Il est content. Là, quand on le porte à qui faut, il est content. C'est ton voilà. Petit. Oui, mais c'est voilà, il n'a pas besoin de ça, Nzamba. Il n'a pas besoin de ça. Un grand médecin. Un grand gastroentérologue. Sa place, c'est ici. Sinon, elle est à l'hôpital. Elle prend des miettes. Est-ce qu'il a besoin de 5 millions, Nzamba? Il fait peut-être s'il fait un remplacement, il est payé 1000 euros par jour. Il le fait. Pourquoi aller s'emmerder dans ce genre de choses, hein? Jean-Didier Dekou, sur la rive. Au terme de notre mission, donc peuple congolais, boyokine bolobakina bengaye ba vieux toi bengakingaye boyoki jonde de Dekou toi na air de repos awa. Donc tout ça les éléments au yacho avant que vous soyez gros cylindre tous les cas. Merci encore une fois de plus parce qu'aujourd'hui, vous savez, certes que vous soignez de fou, mais votre parole compte aujourd'hui, c'est devenu pratiquement une thérapie chez les Congolais. Non, mais les Congolais c'est ce que j'ai toujours dit, hein, ils souffrent d'un syndrome de stress Post-traumatique. Donc, quand ils entendent un bruit, il y a ce qu'on appelle une réviviscence des souvenirs douloureux. Voilà. Et ils ont peur également, ce qu'on appelle, dans le post-traumatique, il y a le syndrome d'évitement, le syndrome d'hypervigilance, voilà, d'évitement, d'hypervigilance. Tu as ce qu'on appelle des flashbacks, des cauchemars. Enfin, tu es tenté de dormir, tu es tenté de revivre, de voir des scènes traumatiques. Voilà, tu te réveilles. Et voilà, ça fait que... Je t'avais expliqué, ma maman. Hein, ma maman, je l'ai fait venir ici en France. Et le 14 juillet, il y a des pétards. Voilà. Ma mère entend des pétards. On est en France, hein. Je l'ai entendu courir, là. Elle voulait rentrer sous le lit. Je dis, maman, Iki, mais guerre, guerre. Je dis, mais guerre. Avec la fête nationale, la photo, ça la va péter pour célébrer la fête nationale du pays. Voilà. Donc le Congolais, c'est un peu là. Et tu as la retirer de sortir du lit? Non, je l'ai fait comprendre. Non, les deux sont dieux, là, compris après et tout ça. Donc, c'est, voilà. Les Congolais souffrent de ça. Donc, ils ont ces souvenirs douloureux qui reviennent dans leur tête. Ils se disent que. Voilà, il faut leur. Ça se soigne, ça. Hein, une psychothérapie, les rassurer que voilà, c'est un fou qui est là, mais le fou là, on peut le faire partir. Et puis voilà, donc, qu'on prenne les choses en main, qu'on puisse se rassembler, qu'on décide ensemble. Je dis, voilà, écoute, trop c'est trop, maintenant, il faudrait que Nguesso parte. Voilà, il faut donner. Il faut donner le témoin aux jeunes, voilà. Ils ont fait leur temps. Nous, je dirais que nous, là, en ce moment, on devait être au pouvoir. Ça s'entend, on est là. Et voilà, j'aurais passé pratiquement de 79 jusqu'en 2022 en train de regarder ça s'entend nous diriger. Il y a une petite parenthèse de l'Issouba et puis de
Milongo pendant 2 ans, qui était Premier ministre avec... il avait tous les pouvoirs, ministre de la Défense et tout ça là. Il y avait ce petit, voilà, cette petite parenthèse. Mais maintenant, il faut que nous passions à autre chose. Si nous, on ne peut pas prendre ce tour-là, mais que les générations qui viennent après nous prennent ce tour-là pour pouvoir développer ce pays-là. Tu sais, on a besoin que de 5 ans. En 5 ans, transforme le Congo. 5 ans suffisent. Il y a trop d'argent au Congo. Hein? Il y en a trop. Regarde, ils sont en train d'aller distribuer ça pendant le meeting. Au lieu qu'ils prennent cet argent-là pour réfléchir, créer de l'emploi, ils vont distribuer. Voilà. Voilà. Moi, j'ai toujours dit aux gens, il y a même des gens qui peuvent témoigner. Hein? C'est un témoignage. C'est un jeune médecin congolais qui est arrivé en France. Je ne vais pas citer son nom. Il a une bourse, je ne sais pas de quel organisme. Il me suivait sur mes réseaux. Et puis, il y a une association des Congolais en France qui organise un séminaire. Et je l'ai publié sur mon statut. Et puis, il m'a appelé dans le vieux, « Nalingé Nayako, assister à un séminaire Wana. » « Ah bon, je veux venir, oui. » Je lui dis, « Mais il n'y a pas de problème. »« Oh, Nathan Alarté, il est à Bruxelles. »« Ah bon ? » ?»« Mais ça coûte combien ? C'est 100 euros. » Je l'ai fait un monogramme. Il est arrivé. Je lui dis, « Mais écoute, moi, je ne serai pas là parce que j'ai des choses à faire. » j'ai pas le temps, mais je viendrai pour toi. Après, il me dit, mais Nathan, est-ce qu'il y a Ola Laté? J'ai appelé un cadet à moi, je lui ai dit, écoute, tu peux l'héberger. Il a pas de problème. Après, lui, il est parti à la réunion, il était très actif. Mais je lui ai dit, tu arrives, fais-moi, tu dis que je suis le cadet du docteur de Cous. Le soir, je suis allé au dîner, je l'ai vu, on a dansé, je l'ai payé la chambre d'hôtel, on s'est réveillé le matin. Je lui ai dit, écoute, il dit, Nazoluka boulot. « Cherche un travail, oui. » Je dis, « Mais je te trouve un travail. » C'est pas un problème. Ils ne croyaient pas. Moi, la majorité de mes amis sont des chefs de pôle. Je me souviens de ce monsieur-là. Voilà. Je l'ai dit. Je te l'avais envoyé à Villevrard, je ne sais pas où. Là. Oui. J'ai appelé un ami à moi qui est chef de pôle. Voilà. Je dis, « Écoute, j'ai un cadet à moi, il est médecin, il veut avoir un boulot. » Voilà. Il dit, « Tu me l'envoies. » Il est allé, il a passé son entretien, tout ça. Là. Il commence là. Le 1er septembre, il commence à Villevrard. Il aura un poste de faisant fonction d'interne. Et il doit faire un DIU de psychiatrie. Il finit son DIU, ça date de 2 ans, 3 ans. Après, il va faire ses examens pour faire reconnaître ses diplômes. Voilà. Je te dis que nous apprenons les gens à pêcher. Et non à remettre, à donner du poisson aux gens. Voilà. Qu'est-ce que tu veux encore que je te dise? Ce garçon-là, il pourra témoigner lui-même. Quand il a dit ça à sa mère, Anna, mais j'ai rencontré un monsieur là, mais je l'ai fait pour plusieurs personnes. Je sais. Il dit à sa maman ne croyait pas. Il dit, non, maman. Là, le 1er septembre, il commence un travail en tant que faisant fonction d'interne. Voilà. Par mes relations à moi. J'ai appelé, j'ai dit, voilà. Il croyait pas. Même jusqu'à présent, il croit pas. Il dit non. Mais yo, je dis non. Dieu est seulement passé par moi pour régler les problèmes. Et moi, là où je suis également, aujourd'hui, là où je suis, c'est des amis qui m'ont aidé. Ça n'a jamais été des parents. C'est toujours des amis qui nous aident. Voilà, qui donnent. Moi, c'est un ami, hein. c'est un Libanais. On est arrivé en France en 92. Voilà, j'ai toujours répété ça. Il y avait des Congolais qui étaient là, des anciens qui étaient arrivés avant nous. Hein. Hein, les Okamba, à Montpellier. Oui, les Okamba, les Mpwe, les Onze Basile, il y avait Makoso Mathieu, il y avait qui encore Aya, voilà. Voilà, au lieu de nous dire seulement allez-y, voilà. Moi je suis arrivé en octobre, donc ici c'est par trimestre, non, par semestre. Et tous les semestres, là par exemple, le 2 novembre, ça sera, disons, voilà, les internes vont changer de comment on appelle ça, de lieu de stage. Donc il faut postuler avant la date. Nous étions arrivés au bon moment. Ben, ils nous ont rien dit. Ben, ce petit-là, moi je le connaissais, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu pour la première fois à Paris. Je l'ai fait loger chez mon cadet. Je suis allé le voir pour lui dire voilà, on s'est vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, il m'a appelé. Voilà, je l'ai connu par le biais d'un ami qui est médecin. Et voilà, là, il va devenir mon voisin dans quelques temps. Là. Il sera à Villevrard, faisant fonction d'interne.
voilà, il va commencer sa vie en France, et puis voilà. Et puis voilà, donc faut avoir un bon corps. Hein? C'est pas mon frère, c'est voilà, c'est, je le connais même pas. Voilà, bon, Dieu est passé par moi, voilà, et puis j'ai pu solutionner son problème. Et je suis fier de lui, et puis voilà, hein, c'est un garçon, c'est un battant, je dis, ici, il faut se battre. Il est allé, hein, il est allé passer son entretien, voilà, il a, voilà on a posé quelques questions clés, le chef de pôle a validé, le directeur des affaires médicales a validé, tous les papiers, ils ont demandé ses diplômes, voilà, tout. Le 1er septembre, il commence, voilà. Merci Jédidio de Kousse, je sais que vous êtes quelqu'un de bien, ça c'est partout là où je passe, on me fait toujours un témoignage de vous, que vous êtes quelqu'un de bien. Peuple congolais, Oyo Brésali, Bateau, il faut que protéger Kabango, malgré Wana, Papi Wana, Sassou, que tu t'as rabattu, pour n'avoir que bon mabiso, bah Lukaye, n'a pas bon mabiso. Bon, c'est pas un problème, comme il y a Kanisaza éternel à Okoufate, c'est pas grave. À très bientôt, chers internautes. Mais moi, je veux quand même dire, pour terminer, déjà, dire merci à ceux qui nous ont accueillis. Il ne faut pas citer leur nom, ne cite pas leur nom. Ouais. Le docteur qui nous a accueillis aujourd'hui, mon grand frère, j'ai quand même cité son nom, Jean-Claude Nzamba. Lui, voilà, il nous a bien accueillis. Et puis, je crois que. Le jeune médecin nous dit, on ne dit pas de nom, il ne faut plus dire, parce qu'après, il va les empoisonner. Non, Jean-Claude, on ne peut pas l'empoisonner, ça c'est mon grand frère. Je voulais le remercier d'avoir rendu notre séjour agréable à Rennes. Et puis, ma petite sœur Kidi, qui est avec nous également, on a passé des bons moments ensemble. Un moment inoubliable. Voilà, merci pour l'accueil. Voilà, donc on vous remercie. Ma tonde, Nzambi, Pesabé d'encore, Binombo Mingi, parce que vous tout dites na reine. Et puis notre frangin, notre cadet qui est en 6e année de médecine, là, qui nous a fouetté son appartement. Voilà, donc. On n'oublie pas aussi Samuel, notre nouveau frère. On a maintenant un cadet blanc. Un cadet blanc, maintenant. Le dernier de la famille. Bon. Voilà, donc les élections, comme je l'ai dit, c'est un non-événement, c'est un épiphénomène. Voilà, donc nous pensons, ce que nous retenons actuellement, c'est le départ de Sassou Nguesso. Voilà. Merci docteur. Au revoir Aristide, merci encore une fois pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'espère qu'on aura une prochaine fois. Merci. Ouais, au revoir.